Hier, à la fin du culte, j'ai appelé au téléphone une sœur. Elle est là. Viens vite. Hier, quand on clôturait la prière, j'ai donné un numéro. Et je vous avais dit que mon esprit est allé après le palais du peuple. Je me suis vu en esprit. J'ai vu Mouchi. J'ai vu Avenue de la Paix. Et je vu un restaurant. On appelle Beau Rêve. Tu travailles là-bas. Le restaurant est là. Beau Rêve. Le Dieu redoutable et puissant est ici. Est-ce que je peux te parler? Dieu expose les plans du diable. Nous sommes vendredi. Hier jeudi. Tu allais mourir. Un accident a été raté. Hier. Tu vois de quoi je parle? Un accident a été raté. Je ne sais pas si ce que je vois a un lieu, a un lien avec ce que je vois. Mais bizarrement, je vois dans mon esprit. Je vois. Avance, le professeur. Je vois. Sous ton coude. Il y a une cicatrice. Gauche. Soulève. Tombola. Le professeur, le voyant. Yamol. Ton coude gauche. C'est dû à quoi? Les amis. Accident. Il est écrit, c'est par un prophète que Dieu a sorti Israël de l'Égypte. C'est par un prophète qu'Israël a été préservé. Parce que quand Dieu te donne un prophète, il te donne la protection. J'étais ici, mes yeux t'ont vu dans les restaurants. Et tu étais là calme dans les restaurants. Alors qu'on avait prévu que tu meurs. Mais parce que Dieu t'aime. Avance d'adé. Je te vois en esprit. Tu es une chrétienne. Et ton esprit est à l'emba. Je te vois mal à Sabra. Je te vois à genoux. Et je vois le pasteur Dominique Ngoy. Il t'impose les mains et prie pour toi. C'est ton père spirituel. Tu pries où? À l'église de la résurrection vers sous-région. L'emba sous-région. L'emba sous-région. C'est le révérend Dominique. Et pas révérend Dominique. Dieu m'a dit, si ce n'était pas le Dieu de Dominique Ngoy, toi tu allais mourir aujourd'hui. Parce que ton père spirituel, c'est ton parapluie spirituel. L'alliance du pasteur Dominique. Je vois même quelque chose sur le pasteur Dominique. Les parabassa. Je dois m'arrêter. Je vais arrêter mes yeux d'aller plus loin. Je vois dans mon esprit que l'alliance avec le pasteur Dominique t'a protégé. Parce que malgré que tu n'as pas, tu donnes toujours à l'église. Appelle, tu donnes. Tu donnes. Et pourtant financièrement ça ne va pas. Quand tu vois maman, tu as mal au cœur. Tu as très mal au cœur. Parce que financièrement ça n'évolue pas. Et tu pries pour que Dieu te donne un nouveau travail. Là, je te parle du présent. Je vais dans le futur. Si je suis prophète, tu seras par l'accomplissement de mes paroles. D'ici 3 mois, Dieu te change de travail. Et je te vois, on va t'appeler, tu vas devenir protocole au gouvernement. Je ne donnerai pas le nom, le numéro au couple parce que je te dirai pourquoi je ne le donne pas. Tape 09. Beta 09. 9 les sous 0 5 0. Tu as vu le nom qui est sorti? Il n'y a pas un nom? Non, le nom ne sort pas comme ça. Il faut plus 253. Que ce soit complet. Hein? Ah, non, je dois arrêter. Parce que c'est confidentiel. Je vois le numéro de quelqu'un, je vais t'expliquer. Je me vois dans un rêve que tu as fait. Le Dieu de Daniel est là. Je me vois dans un rêve que tu as fait. Dans le rêve que tu as fait.
Tu étais avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. Ozaki na moto olingaka mingi. Attends. Zela. Je suis dans ton rêve. Nazana ndoto na yo. Tu étais avec un homme. Ozaki na mobali moko. Qui s'était approché de toi. Apusa ni pene pene na. Et après tu as pris cette personne. Na simonji mutongo. Tu t'es retourné. Obaluki. Tu l'as présenté à une femme. Otalise na mwasi moko. Merveille. Merveille. Tu te rappelles du rêve? Ozoban sa sona ndoto. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu te rappelles? Oban sa sona. Tu as vu ça quand? Au moment où mon colonie. Il y a longtemps. Il a longtemps. Je vais t'expliquer pourquoi tu as vu ça. Na olimbo lo pone monia. Dis avec moi, les rêves sont les choses d'en haut. Le rêve sont les choses d'en haut. Et professeur. Dis à ton voisin, fais attention à tes rêves. Fais attention à tes rêves. Ce sont les choses d'en haut. Ce sont les choses d'en haut. Pourquoi tu as vu ça? Pourquoi mon nom? Parce que ta mère a mis merveille. Pour mon nom, ta mère a mis merveille. Moninga tu l'aimes beaucoup. Moninga et tu es un grand fardeau pour elle. Dieu dit, Nzambalobi. Tu es le canal de sa bénédiction. Ozali ntela le pambo nae. Parce que l'homme qui va l'épouser. Pour mon bal et rebalaye. Ah, tu commences à arriver. Comment comment? Merveille va se marier. Merveille à Kobala. Réjouis-toi de son mariage. C'est bien le liban nae. C'est ta bénédiction. Ezali pambo nae. Le mariage de merveille, c'est ta connexion. Je vois un homme. Et je vois l'huile couler sur sa tête. C'est un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, je le vois en Afrique du Sud. Uh-huh. Mais actuellement, il est à Lubumbashi. Casimiro est à Lubumbashi. Can I professor? Professor, papa. Tu sais de qui je parle? Tu as vu? C'est le mari de merveille. Yene mobali à merveille. Elle professeur. C'est par toi qui se connecte. Nanzela na yonde akokutana. Et ils vont se marier. Pe barobana. Parce que ainsi par l'Éternel, tu es une source de bénédiction. Po elobi ya ozali zibael pam. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Votre famille c'est la famille. Libota na libota. Ziata. Ziata. Hier, je t'ai appelé Lord Ziata. Le mena benga yo Lord Ziata. Le Dieu des esprits, des prophètes veut visiter ta famille. Nzambe amini wa basa wale kutale botana. Vous êtes né à 4. Bobota amini. Oui, c'est ça. Premièrement, ya liboso. Je vais à Goda. Na mona Goda. Ya Goda. Ya Goda. Ya Goda. Vous venez boya. Ah, vous l'appelez ainsi. Godard. Godard, comment? Godard, nani? Diata. Godard, Diata. D'ailleurs, Godard a le nom de papa. Godard, ça a comme moi, papa. Le nom complet de papa. Le nom complet de papa. Comme moi, papa, quand je vois, je vois. Tant la homme, la mona, la solo. Que l'onction prophétique tombe sur cette église. Et pas quoi, ça, vous voulez qu'il t'a le goût avec les yeux. Dis, je catalambano. Je catalambano. Merci, mon moni. Deuxièmement, je vois Naomi. Yami, ben, la mona, Naomi. Naomi, hein? Naomi. Troisièmement, c'est toi. Yami Satezayou. C'est ça. Bon. Quatrièmement, c'est Lydia. Lydia, où? Lydia, ça. Elle est à la maison. À la maison. Azanda. Et l'Éternel me dit de te dire. Yawalabina Ebisao. Prie beaucoup en cette saison. Bon de la mine l'école. Parce que tu as mis tes pieds ici. Pour Otima Kuruna. Non. Avance, le professeur. Écoute. Merveille. Merveille. Je la vois dans une église. Une grande église. Église à mon aîné. Ah. Et je la vois aussi à genoux. Dans une église de branhamistes. Il y a église de branhamistes. Oui, c'est vrai. Papa que vous connaissez, l'église est qui? De Barouti. Can I prophesy? Prophesy, papa. Pourquoi Dieu va la bénir? Parce qu'elle est sous l'onction du pasteur Barouti. Et toi, tu es sous l'onction du pasteur Dominique. Et toi, tu es sous l'onction du prophète Joël. Je ne sais pas qui j'ai parlé ici. Et toi, tu es sous l'onction du prophète Joël. Ça, c'est vrai. Lorsque tu n'arrives pas à prier, lorsque tu n'arrives pas à jeûner, lorsque tes offrandes ne crient pas, l'alliance avec ton père va crier. Que mon alliance crie pour toi. Que mon alliance crie pour toi. Que mes alliances crient pour toi. Au nom de Jésus. Ça c'est vrai. Quelle vision.
Dis à ton voisin, sois soumis à ton père spirituel. Sois soumis à ton père spirituel. Le but de Satan, c'était que tu sois paralysé et que tu marches sur une chaise roulante. Ceux qui voulaient se faire retombent sur ceux qui ont créé cela. Au travail, sois calme. Laisse-la parler. Fais fidèlement ton travail. Des fois, Dieu peut t'emmener chez Laban qui te traite mal. Pour t'apprendre la maîtrise de soi. L'humilité. Et la capacité de servir. Mais grâce là. Vous allez couper ça sur le live. Elle-même, elle a des problèmes de mariage. Elle a des problèmes. Il y en a que dans la vie, mais... Par respect. Par respect pour l'entreprise. Mais que les patrons prennent garde. Des fois, vous chassez les gens bien à cause des personnes mal qui pensent faire bien leur travail. Reste là, travaille bien. Fais attention. Tu es une chrétienne, sois l'exemple au travail. Dans 3 mois, ça protocole au gouvernement. Il y a une relation que tu as qui va parler pour toi. Est-ce que tu m'entends? Toi, tu seras dans les milieux de la présidence, du gouvernement. Parce que tu as toutes les relations possibles pour y entrer, mais tu attendais. Si je suis prophète, je m'appelle Joël Francis, fils de Alfoukao. Je te parle de la part de Dieu. Tu finiras à Nouka. Et quand tu avanceras, on t'appellera. On va t'appeler. Tu vas chrétien la précision. On va t'appeler. Je suis Samuel. Je vois les rois. Aucune de mes paroles ne tombera à terre. Tout ce que j'ai dit se réalisera. Au nom de Jésus. L'Arabacha. Tiens-moi la main. Sois béni. Va de l'avant. Que le Dieu du pasteur Dominique Ngoy, que le Dieu de Papa Barouti, Kasson, se souvienne de merveilles et de toi. Votre amitié, Dieu a approuvé ça. Je prie pour toute personne qui entend cette prière. Que Dieu te donne les amis de destinée. Que Dieu vraiment te donne des amis de destinée. C'est toi qui connais quelqu'un, mais quelqu'un d'autre profite de ce que toi tu as eu. Que Dieu te donne ce cœur. Car des fois, André est le premier à voir Jésus. Mais il amène Pierre chez Jésus. Mais Pierre devient plus proche de Jésus que André lui-même. Amen. Des fois, Dieu procède comme ça. Ne te sens pas mal d'avoir introduit quelqu'un chez quelqu'un et d'avoir raté l'opportunité de maximiser dans la personne là. Sois plutôt heureuse d'avoir été le canal de bénédiction par lequel Dieu est passé pour réjouir quelqu'un. Et comme tu te réjouiras de son mariage, ton mariage aussi est en train de s'ouvrir. Je te parle comme prophète. Mes yeux t'ont vu derrière le palais du peuple sur l'avenue de Ferrego là. Je suis voyant et prophète dans ce pays. Aussi vrai que je suis serviteur et que tu marches sur cette terre, aucun esprit de mort ne pourra détruire quelqu'un de votre famille. Dieu veut bénir Godard financièrement, mais il doit être discipliné. Il éparpille trop, il ne sait pas bien s'organiser financièrement. Tu m'entends? Dis à Godard, il y a Godard, il va suivre. De gérer bien, d'épargner, d'investir, d'être correct et de respecter les 10 000 offrandes. Cette année, il va toucher beaucoup d'argent. Est-ce que tu m'entends? Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes.